messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de Clermont-Ferrand, dans la grande halle de Cournon, pour le sommet de l'élevage. Alors, on va s'intéresser à la communication. On va essayer de voir ce qui marche, et puis surtout ce qui ne marche pas en matière de communication. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine Bonnière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de la commission digitale du CIRPA. Le CIRPA, c'est... Le CIRPA, c'est une association qui regroupe plus de 350 membres des professionnels de la communication du monde agricole et qui organise événements, rencontres, formations autour au carrefour de la communication et de l'agriculture. Donc, on est au cœur du sujet. À ma droite, Delphine Gay, vous êtes responsable communication et affaires publiques, donc au GNIS. Le GNIS, c'est... Alors, bonjour tout d'abord. Le GNIS, c'est le groupement national interprofessionnel des semences et plants. Concrètement, c'est une interprofession, c'est une originalité française qui regroupe tous les acteurs de la semence sur le territoire français. Et juste à côté de vous, Luc Messert, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes agriculteur, président de FAR, vice-président de la FNSEA. On emploie le terme de vice-président, c'est bien ça ? C'est bien ça. En charge de la communication, et ça tombe bien parce que c'est pour ça que vous êtes ici. Et puis, président de la Fédération régionale, donc des syndicats d'exploitants agricoles nord-bassin parisien. Voilà, agriculteur en Picardie, dans l'Oise, en polyculture élevage avec des vaches laitières et un peu de charolaise. Mesdames, si vous êtes d'accord, galanterie oblige, on va démarrer. Par Luc. Alors, on se repositionne le 3 septembre. Vous vous souvenez tous, il y avait une manifestation entre 1000 et 2000 agriculteurs qui convergeaient sur Paris. Effectivement, Xavier Belin a pris la parole place de la Nation. Et là, on a senti que certains agriculteurs, peut-être une vingtaine, trentaine, cinquantaine, je ne sais pas, peu importe le nombre, le remettaient en cause. Alors, c'est vrai que Xavier Belin, c'est un homme qui communique, c'est un homme de dossier, c'est un homme... C'est pas un tribun forcément, et sur une estrade, peut-être que les gens qui étaient venus en tracteur, ils avaient envie d'entendre parler prix, ils avaient aussi, peut-être parce qu'ils avaient fait 6 heures de tracteur, d'avoir quelqu'un qui soit un véritable tribun. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des erreurs de communication au sein de la FNSEA dans ce cadre particulier ? Alors oui, ce 3 septembre, il restera dans les dates. Déjà par rapport à la forte mobilisation, c'est quand même 2000 tracteurs, 8000 personnes qui étaient présentes. Et puis surtout, ça faisait à un moment donné, après 500 manifestations durant tout l'été. Ça a démarré à Caen, c'est passé dans toutes les régions. Et puis c'était vraiment à la hauteur de la situation qu'on vit aujourd'hui, une crise qui est assez historique. Je crois qu'on est au bout d'un système et qu'aujourd'hui les filières d'élevage ont vraiment besoin aujourd'hui d'être... Et derrière ce vrai problème économique, il y a aussi un vrai problème moral. Et quand le 3 septembre, Xavier prend la parole pour annoncer des décisions à court terme hein, sur le conjoncturel, et puis forcément il y a des attentes qui sont complètement différentes entre le céréalier qui est venu soutenir les éleveurs et puis... le producteur de bovin ou le producteur de porc qui est aux abois, qui souhaitait que ce 3 septembre soit annoncé, et pour en avoir discuté à certains, qu'on allait remettre leur dette de 50%. Et ça, on veut dire, le Père Noël, on sait que c'est le 25 décembre, mais encore, voilà. Donc c'est quand même compliqué. Et puis la particularité aussi de notre syndicalisme, c'est, je crois qu'il va être aussi le réalisme. On peut faire des tribunes, on peut être un grand orateur, mais ce n'est pas ça qu'attendent aujourd'hui les agriculteurs. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des annonces pour passer la crise et puis surtout regarder à demain. Et moi, ce que je retiens quand même derrière cette manifestation, on avait lancé un hashtag Avenir Agri. Il a été repris 8000 fois. C'est-à-dire qu'on sait manifester, mais on sait aussi derrière se dire, notamment sur les réseaux sociaux, de mettre derrière Avenir Agri. Alors, il y a certainement une erreur de casting dans la prise de parole. C'est clair qu'en face, ça aurait dû être le ministre de l'Agriculture qui fasse les annonces, parce que je veux dire, on n'est pas là pour défendre des décisions qui sont forcément insuffisantes quand on voit la situation actuelle, et que ce que voulaient vraiment les gens et ce que veulent les gens, on sait très bien que ce n'est pas à Paris qu'on allait obtenir les prix. Et donc, dans cette discussion, forcément, il y a quelques sifflets. Mais moi, ce que je retiens, c'est avant tout un président qui a mouillé la chemise, qui était présent énormément, qui a fait énormément de relais télé, radio, durant cet été, et qui encore maintenant mouille la chemise. Je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et puis dans le fond, Xavier Belin, il nous a fait du Xavier Belin, c'est-à-dire qu'il est apparu tel qu'il est normalement, on ne peut pas lui en vouloir à la limite. Est-ce qu'il est médiatraîné ? Est-ce qu'il est formé ? Est-ce qu'il a un service com qui lui dit, attention, là vous êtes sur une tribune devant 8000 agriculteurs, il ne faut pas parler pareil que dans une réunion ? Alors, les services communication a bien évolué à la FNSEA. Il y avait 2 personnes il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est 8 personnes qui travaillent.
à la communication. Et c'est Xavier Belin qui, par exemple, a souhaité qu'il y ait un vice-président qui soit en charge de la communication. C'est tout nouveau, ça a 2 ans. Donc on essaie justement parce qu'on a aussi besoin justement de cette directeur communication pour aussi nous alerter, nous accompagner, nous coacher, nous former à la prise de parole. Mais il n'y a rien de tel qu'une vraie prise de parole simple, parler vrai. Et c'est là-dessus que j'insisterai, parce que je crois que notre force aujourd'hui, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que ce capital sympathie de 85% des Français qui nous soutenaient, c'est aussi parce que voilà, on a des valeurs. Et que Xavier, moi en tout cas, pour travailler au quotidien avec lui, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, il était là dès lundi dans le Puy-de-Dôme pour aussi montrer cette solidarité, cette présence au quotidien sur le terrain. On est plutôt des faiseux que des diseux, et c'est peut-être des fois ça notre problème. Blandine Bonnière, alors moi je suis journaliste, quand je demande pour une interview d'avoir une personne qui me répond, chaque fois les directrices com, parce que c'est souvent des directrices, me disent « Oh là là, attention, il faut que ça soit le président ». Pourquoi il faut que ça soit toujours les présidents dans les organisations agricoles qui parlent? Or, souvent les présidents sont vieux, je ne parle pas pour vous Luc, vous êtes un jeune président, mais souvent les présidents, parce qu'ils ont peut-être plus de temps de disponible, sont plutôt âgés, et ça ne donne pas forcément une image moderne du secteur. Alors pourquoi c'est systématiquement les présidents qui parlent dans le secteur agricole? La première chose, c'est que peut-être que c'est pas que propre au secteur agricole, hein, cette prise de parole de par les présidents, par les élus. La deuxième chose, c'est que dans le secteur agricole, spécifiquement pour parler aux agriculteurs, c'est peut-être mieux que ce soit un agriculteur qui s'exprime. Et puis bon, après certes, il y a des choses à écouter peut-être d'un point de vue plus communication. Alors peut-être qu'en effet, les élus, les présidents gagneraient davantage à écouter les conseils de leurs communicants en interne. Après, je ne sais pas, moi je vois ça de mon œil plus jeune. Peut-être que la communication, justement, est encore jeune dans le secteur agricole et a encore besoin de se développer, de grandir et justement d'aller jusqu'à devenir porte-parole auprès des agriculteurs pour véhiculer peut-être une image en effet plus jeune, plus moderne, plus novatrice. Alors vous pouvez réagir, Delphine Gay, par exemple. Avoir des porte-parole, c'est bien? Alors, des porte-parole, oui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, comme le disait Luc, il faut parler vrai, il faut parler de terrain. Donc, au niveau de la filière semencière, on a mis en place un réseau de porte-parole, médias formés, et on a changé de braquet. C'est-à-dire qu'on a eu l'exemple d'une communication de crise. Aujourd'hui, je pense que le problème que nous avons dans le monde agricole, c'est que nous sommes restés dans une communication type des années 80. Un slogan, une image, et tout va bien. Or, non. Aujourd'hui, on est dans une communication d'influence. Le problème qu'a rencontré Xavier Belin le 3 septembre, c'est que, je ne sais pas si, alors moi je fais ma parisienne, mais tout ce qu'on a vu dans les médias, les grands quotidiens nationaux, c'était Xavier Belin s'est fait huer par ses éleveurs. Le problème vient peut-être du fait que, à Life and Nice Way, ils n'ont peut-être pas suffisamment développé leur communication d'influence auprès des relais, des médias. Des médias, mais je parle des médias, mais également des élus. C'est cette communication d'influence qu'on est très en retard aujourd'hui dans le monde agricole. Et c'est là notre faute et notre souci, clairement, pour que notre image, pour que nos atouts qui sont fabuleux aujourd'hui, on a des jeunes, on a des moins jeunes, c'est pas un problème d'âge. C'est vrai qu'on fait beaucoup parler nos présidents, on a des porte-paroles, on est sur tout le territoire national. C'est inadmissible aujourd'hui qu'un média retiennent uniquement qu'une petite partie de ce beau rassemblement. Luc. Oui, et puis déjà les journalistes en général veulent parler au président, ils veulent pas parler à quelqu'un d'autre, donc déjà ça c'est un problème. Et puis je crois aussi c'est que notre métier a évolué et que aujourd'hui les gens sont restés aussi avec des clichés, avec des évolutions, et puis on a tout de suite tendance à cataloguer. Vous êtes céréalier, donc vous savez pas ce que c'est que l'élevage. Bon, j'ai la chance d'être polyculteur-éleveur, donc on peut en parler encore plus facilement, mais je crois qu'il faut arrêter un petit peu ces prises de parole comme ça. Et puis après, je crois que ce qu'on a vraiment aujourd'hui besoin, par rapport à ce que tu disais, c'est justement c'est d'arriver à recréer ce tissu, ce lien. Je pense qu'on manque aujourd'hui de journalistes qui sont spécialisés. On a de plus en plus des gens qui sont
qui touchent un petit peu à tout. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est des gens qui puissent aller un peu creuser les éléments, pas faire simplement. Et puis, on voit bien, c'est même les réseaux sociaux aujourd'hui, on fait l'actualité par rapport à ça, par rapport au buzz. Alors que je crois que ce qui est important, c'est sur les dossiers agricoles, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin sur le dossier. On y travaille, puisque là, avec l'ensemble de nos organisations agricoles, on met en place une dynamique qui s'appelle Agri Demain. Et le souhait, c'est que d'ici maintenant 6 mois, on puisse avoir 1000 ambassadeurs Agri Demain, mais qui viennent de l'ensemble du monde agricole, des coopératives, des chambres d'agriculture, du syndicalisme JA-FNSEA, mais aussi de l'amont avec les semenciers, avec les phytosanitaires, avec le matériel, le machinisme, AXEMA, pour justement montrer que c'est ensemble et que c'est une force. Et que Agri Demain, parce que quand on voit toutes les images de l'été, on peut dire finalement c'est une filière où c'est un monde agricole qui n'a pas d'avenir. Alors que justement aujourd'hui c'est une force, c'est un atout pour nos territoires, c'est un atout pour l'économie française. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire passer. Et que l'agriculture d'aujourd'hui, moderne, a besoin de compétitivité, mais ce qu'elle apporte en termes de production, de qualité, c'est un vrai atout et c'est ce qui fait aussi la force de la gastronomie. Je pense que c'est ça qu'on a besoin de dire. Et puis en termes de com, on doit certainement s'améliorer. Je pense que le principal, c'est de le savoir et de voir comment on peut faire évoluer. Alors, est-ce que la communication, c'est vraiment une préoccupation de base des organisations professionnelles? Je me tourne vers vous, Blandine Bonnière. C'est vrai que quand on fait une analyse un peu des salaires des directrices ou des directeurs de com, on va parler argent là, vous êtes moins payés que dans les autres secteurs. Est-ce à dire que le monde agricole se dit c'est secondaire, on va prendre une petite jeune qui fera la communication parmi 1000 autres tâches, ou est-ce que c'est réellement une préoccupation? Alors déjà, est-ce qu'on est moins rémunéré dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs d'activité? La question est peut-être encore ouverte. J'ai pas d'éléments de comparaison, j'ai des éléments chiffrés pour situer, si besoin, la rémunération moyenne d'un communicant dans le secteur agricole. Une étude du CIRPA, l'Observatoire du communicant en agriculture, c'est des chiffres 2013 qui vont être édités l'année prochaine avec des nouveaux chiffres 2016, situé salaire moyen à 49,8 KE brut annuel. Alors avec bien sûr des grosses disparités selon l'âge, un jeune communicant débutera plutôt autour de 30 KE, en fonction de la région aussi. Paris rémunère 30% de plus que le reste de la France, mais ça, ce n'est pas propre au secteur agricole, et avec aussi des disparités hommes-femmes, mais qui ne sont toujours pas propres au secteur agricole, hélas, qui peuvent aller jusqu'à 18 KE en tant que communicant agricole. Après, la question des femmes finalement dans l'agriculture, puisque vous disiez directrice, jeune femme, est-ce que ça signifie que c'est moins pertinent? Moi, je pense pas. J'aurais plutôt tendance à dire que finalement, si on met des femmes à ces postes de communication, c'est qu'on a besoin, sur ces missions-là, peut-être de leur finesse, de leur sensibilité, de leur intelligence et de la subtilité, justement, à travailler et à faire passer certains messages. Luc, on va parler peut-être en dehors de la FNSEA, ce sera plus facile. Dans les organisations professionnelles agricoles dans lesquelles vous assistez à certaines réunions, est-ce que vous avez l'impression que la communication, c'est vraiment une priorité aujourd'hui? Réponse franche. Très clairement, non. Ah, merci. C'est l'actualité qui domine, le syndical, la pression qui nous est donnée sur le terrain. Et très clairement, la communication n'est pas forcément mise en avant et n'est pas, en tout cas, même préparée comme on peut le préparer sur des interventions. Donc aujourd'hui, on en a vraiment besoin d'y travailler. Il y a des formations qui se mettent en place. Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Là aussi, comment être mieux présent sur les réseaux sociaux, puis sortir aussi de notre cercle agricolo-agricolo, sur lequel on a peut-être tendance des fois un peu à se... On est un peu dans la complaisance. Et là-dessus, je pense qu'on a vraiment à faire. C'est justement aller directement à la rencontre du consommateur, aller échanger. On l'a vu aussi, les conflits au sein des filières, entre le dilemme avec l'industriel, avec la grande distribution. Je pense que si on veut reconstruire, c'est plutôt sur un contrat gagnant-gagnant que plutôt d'être en permanence dans l'opposition. Et cette communication, je pense que c'est pas inné en nous non plus, quoi. Et on n'en a pas fait parce que jusqu'à maintenant, on n'avait peut-être pas forcément besoin non plus. Alors, quand on a besoin d'un technicien en machinisme, on prend un technicien en machinisme. Quand on a besoin d'un technicien en communication digitale, on prend qui ? La grande question du digital dans les entreprises, c'est une question qui est compliquée parce que le digital, c'est un métier, des métiers c'est totalement nouveaux. C'est un vrai métier avec des écoles spécialisées là-dessus. Et dans le monde agricole, on prend des ingénieurs agro.
à qui on confie aussi le côté digital. Alors je pense que même avant ça, la communication de façon générale est aujourd'hui confiée à des ingénieurs agronomes dans le secteur agricole. Et en effet, je pense qu'on a du mal à passer outre et à s'ouvrir. On est sur un métier qui est certes très technique, très pointu, très expert, mais on a besoin de s'ouvrir. Et dans le monde du digital, c'est encore à part et je pense que c'est encore plus accru parce que y a deux cas de figure. Soit on accepte et on prend vraiment le virage du digital et il y a des créations de postes dédiées vraiment au digital et auquel cas il y a une vraie montée en puissance et ça se ressent. Mais dans la majorité des cas aujourd'hui, et je crois pareil, hein, j'insiste, c'est pas que propre au secteur agricole, même si nous on est peut-être plus en retard en effet dans le monde agricole, la majorité du digital, c'est on prend les communicants actuellement en poste depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont toujours fait des RP, du print, de l'événementiel, et on leur rajoute déjà une charge de travail avec le digital, et en plus une charge de travail avec des compétences qu'ils n'ont pas forcément, et qu'ils assument. Il y a des appels à l'aide, je pense, aujourd'hui, de communicants qui ont besoin de se former, qui ont besoin d'aide dans le secteur agricole, et je rejoins entièrement cette observation, et je pense qu'il y a une grosse communication à faire auprès des écoles de communication et auprès des nouvelles formations qui existent aujourd'hui dans le secteur du digital pour informer les jeunes que c'est un secteur dynamique. Merci Delphine Gay. Si on regarde, je sais pas, le dernier mois sur France 2, alors c'est vrai, il faut rappeler que l'histoire des semences, pour les journalistes, c'est du pain béni, c'est le sport favori, OGM, Monsanto, etc. Ça va vite, c'est efficace. C'est du pain béni, voilà. En effet. Si on prend France 2, on a un bon reportage sur Télématin qui explique, je crois, à Milan, je vous ai vu d'ailleurs, parler un peu de l'enjeu économique des semences. Et puis, on a des reportages sur le 13h de Laurent Delahousse, c'est une catastrophe. Alors, on va arrêter de leur faire de la pub, mais c'est vrai que dans le même mois, on a eu deux expériences, une magnifique, une monstrueuse, j'insiste sur le monstrueux. Magnifique, Télématin, reportage avec une journaliste qui s'est déplacée sur le terrain, qui a voulu comprendre ce qu'il y avait derrière la semence et pas s'arrêter, comme vous le disiez, OGM ou grande multinationale. Et le même mois, 3 heures d'interview dans nos bureaux parisiens, pour justement faire un dossier spécial semence au JT 13h15 de France 2 du week-end. Dans un cas, une journée de déplacement, une enquête, des questions, le résultat... vous l'avez dit, plutôt intéressant. Et le JT du 13h15, là, on m'appelle une semaine avant pour me dire « Delphine, on est désolée, mais nos 3 heures de tournage, on va pouvoir garder aucune image. » Aucune image, pourquoi ? Ils avaient été interviewés des paysans sur le terrain. Donc, avoir des Parisiens dans un bureau, c'est pas forcément fabuleux. Donc, du coup, oui, on a toutes ces expériences, mais là, la faute peut-être vient de nous, parce qu'on est resté sur Paris, même si on avait essayé de la faire se déplacer. Après, le problème, pour répondre à la question sur l'investissement de l'agriculture, sur la communication, on est à un décalage. Vous savez, je travaille avec mes confrères de Coca-Cola, par exemple. Juste pour vous donner une comparaison, rien que sur la réputation de la marque Coca-Cola, c'est estimé à 75 milliards de dollars. 75 milliards de dollars. Ce qui fait qu'ils ont des budgets, mais ça nous fait tous rêver. Même toutes les organisations agricoles aujourd'hui réunies, Budget.com, on n'atteint même pas 10% du budget Coca-Cola. J'ose même pas demander le Budget.com de la FNSEA. En tout cas, aujourd'hui, les budgets, c'est un vrai problème en termes de priorité. Mais il y a aussi cette problématique de chapelle, c'est-à-dire que chacun veut communiquer à sa place. Chacun veut communiquer pour soi et on a besoin d'une cohérence. C'est pour ça que je crois beaucoup en cette dynamique agri-demain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, sans mettre des gros moyens, mais à arriver à ce qu'on puisse coordonner et puis qu'ensemble, on porte tous le même message. Et ça, c'est indispensable. Je crois beaucoup aux jeunes, aux agricultrices aujourd'hui en agriculture parce que ça amène du sang neuf. Et puis, la nouveauté avec les réseaux sociaux, c'est aussi les vidéos. Parce qu'il n'y a rien tel que des agriculteurs qui s'expriment, qu'on puisse montrer les choses. Et les jeunes, aujourd'hui, sont vraiment férus de ce jeu. Le temps passe trop vite. Donc, vous fédérez aussi ? Également, c'est-à-dire qu'on soutient Agri-Demain. On est partenaire dans une communication grand public aussi. Mais il faut surtout qu'on arrête de parler technique et qu'on simplifie nos messages. Donc, oui, il faut faire parler les agriculteurs, les agricultrices, mais faire des formations aussi pour simplifier leurs messages. Et Blandy Baudière va conclure en nous disant, il y a, comment vous appelez ça, un atelier débat, je ne sais pas, un 5 à 7, je crois, communication. Exactement. La prochaine rencontre du CIRPA, c'est un 5 à 7. C'est la semaine prochaine, le 15 octobre, justement, qui, je pense, peut être une bonne poursuite de nos échanges. Gens de communication, êtes-vous des gens normaux ? Et ça, c'est un coup de pub, bravo. Voilà, merci à vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.
Merci.